Un des aliments principaux de notre corps est un sucre, le glucose. Véhiculé par le sang, il doit pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Pour y parvenir, il a besoin d'une hormone, l'insuline. Comme une clé, celle-ci déclenche l'ouverture de la membrane des cellules. Le glucose peut alors entrer. Chez les diabétiques, l'insuline est absente ou son action insuffisante. Le glucose s'accumule alors dans le sang et les cellules en manquent terriblement. Tout le mode d'alimentation du corps est déréglé. Certains diabétiques prennent quotidiennement de l'insuline. Tous doivent contrôler leur alimentation.